Et salut à tous! Ah, la violence, la guerre, toutes ces choses que l'on vit au quotidien. Enfin, dans les jeux vidéo, hein. Ouh là là, on s'est mal compris là, enfin bref. Aujourd'hui, je vous propose un jeu pas anxiogène pour deux sous. It's. It's donc, puzzle game développé par Clay Entertainment, sorti en 2006 sous Windows, un peu plus tard sur Xbox 360 et carrément plus tard, 4 ans après, sur iOS. Le principe du jeu est très simple, vous contrôlez un petit personnage nommé It's, afin qu'il puisse rassembler des pièces de puzzle pour avancer dans les niveaux. Problème, It's est un peu con sur les bords, et comme dans le jeu Lemmings, il avance tout droit jusqu'à ce que mort s'en suive bah, si vous faites rien. Votre mission, si vous l'acceptez, va être de positionner des dispositifs sur son chemin de telle manière à ce qu'il puisse attraper ces pièces de puzzle qui sont donc l'objectif de chaque niveau. Je vous laisse voir le test, et je vous retrouve après. Yeah.
Alors, ce que j'en pense, bonne ambiance visuelle et sonore, j'aime particulièrement le petit reggae. Le jeu est sympa, avec une bonne courbe de difficulté, il n'a pas été codé avec les pieds, ce qui fait qu'il reste jouable malgré une résolution qui est pas très élevée sous Windows 10 sur nos machines modernes, et en bonus, il fonctionne donc parfaitement sous Windows 10. Donc au total, bah moi, je valide, et je le conseille à tous ceux qui trouvent que Lemmings est encore un peu trop nerveux. Après, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un abonnement, la petite cloche pour rien rater, ça fait plaisir, n'hésitez surtout pas. Sur ce, en espérant que ça vous a plu, à demain !